Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour un 8e épisode du Let's Play sur For Honor où nous continuons le multijoueur avec Sirius. Bonjour Sirius. Bonjour à tous. Et cette fois-ci, nous lançons Durix parce que tomber contre des gars qui font du 4 contre 1, c'est pas foufou. C'est beau, mais on est sur For Honor, donc bon, un peu de combat à la loyale ne fait pas de mal. Enfin, bon, remarquez, là tout de suite, je viens de lancer un duel contre un centurion, et les seuls moments où il arrivait à gagner, c'est quand il me lançait dans les trous. Donc bon, c'est pas non plus une énorme démonstration d'honneur et de classe. Mais c'est comme ça. Ah là là. Bon, normalement, la Rix, ça va. Ça se lance quand même assez vite. Ça devrait pas trop prendre de temps. Le seul truc qui est dommage, c'est que la meilleure carte, à mon sens, pour l'ensemble de tout le jeu, c'est la Vigie. Et la Vigie n'est intéressante que en Dominion. Que en Dominion. Puisque il y a des arbalètes. Voilà, nous avons ici notre très cher Adrof qui est en fait un passionné de tir à l'arbalète. Donc quand on tombe sur Vigie, 80% du temps il est à l'arbalète. Enfin, l'arbalète d'ailleurs. Je des coups divers et variés. Je me méprends l'arbalète. La baliste. Parce que c'est une baliste à ce stade-là. Bonne question. Ah si, c'est une baliste. Je dirais que la baliste est encore plus gros. Ouais, mais l'arbalète est sans. Qu'une arbalète, ça ne peut être que à main. Enfin, c'est porté en fait une arbalète. Mais bon. La map, ce serait plus en fait une. Ce serait plus comment dire une. C'est quand même elle qui a pris. Oh, impressionnant. Oh yeah. Et oui, moi aussi, je peux t'enlever la moitié de ta vie. Voilà. Bon, alors, je vais aller de ton côté. Pour voir un peu ton combat. Et là, je t'encourage. Oh non! Telle une groupie. Alors, bon, lui, il a plus trop de vie. Et toi, tu t'en sors comment? Ah, c'est tendu, hein. Oh ah, non! T'es mort. C'est dégoûtant. Il m'a fait l'enchaînement, j'ai fait le brise-garde et non. Non, son coup est quand même passé, dommage. Oui, j'ai pas compris pourquoi quand il est tombé à la renverse, mon personnage n'a pas suivi. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il veut t'avoir en retournement. Il veut jouer sur le pont. Exact. Bah oui. Défait. Bon, moi, la prochaine fois... Je ne me gênerai pas pour le tuer pendant qu'il est en train de t'achever. Parce que là, franchement, je lui sautais dessus et il était mort direct. Bah oui, j'ai pas compris pourquoi mon personnage en fait n'a pas bougé et a préféré avancer. Bon bah il est con, tant pis, qu'est-ce que vous dites. Alors, la berserker, quel est ton style? Eh bah tu crois quoi? Que je sais pas bloquer ça? Oh, je suis con. J'aurais dû faire un dash avant et ça aurait bien mieux marché. Oh, c'est lui qui a pris quand même. C'est fou ça. Tiens. Puis là, je me moque de toi. T'as qu'à pas me pousser dans le trou. Bah, je veux pas te dire beau combat, attends. Là. Je vais te répondre. Ouah, voilà, ça t'apprendra. Alors, là, tu t'en sors beaucoup mieux. Mais oui, mais encore une. Mais j'ai un souci en fait quand il tombe sur le sol. Mon personnage, quand je lance une attaque, mon personnage n'avance pas, ce qui fait que je tape au pied du mec. Oh, mais t'étais trop loin. Ça ne fait rien. Oui, en fait, il... Je sens qu'il a essayé de faire un truc du style bonjour, mais ça n'a pas marché. Ah, oh, punaise, j'ai pas réussi à bloquer une de ses attaques. C'était des petits, tant pis. Oh, punaise. Il fait que de la light et j'arrive pas à brise-guard. Il est beaucoup plus rapide que moi en fait avec son brise-guard. Enfin, sa light est beaucoup plus efficace. Il est où?
Ah, j'ai pas pu le toucher, il a fait que de la light. Il attend par là-bas. Ah, ça c'est assez handicapant avec la sentinelle, le brise-garde est trop lent contre les assassins. Il veut toujours pas faire coup. Il a pas compris. Alors, petit conseil en fait pour que tu fasses les 3 coups. Victoire. Non mais je lui ai quand fait 3 coups. Hein. Ah, j'en ai vu que 2 à l'écran. J'en ai fait 3. Mais sinon, ça explique alors l'espèce de lag. Le bien mieux à faire. Quatrième. Enfin, il me semble que j'en ai fait 3. Hein. Mais ce qui est bien mieux à faire en fait, c'est d'en faire 2 et de le pousser. Attention, la berserker fonce sur toi. Ah bon? Ok. Bah ouais, ils ont. Ah non, il veut jouer sur le pont. Bah oui, ils ont compris qu'il y avait que ça à faire. Les pauvres. Ah bah tiens. Voilà, elle a voulu jouer sur le pont. Bon alors toi, tu veux le battre à la loyale? Ah oui, tu touches pas. Je me le fais ouais, tranquillou. T'as un avantage certain. Oui. Ouais. C'est ça, un avantage certain en fait par rapport à leur lag qui est beaucoup plus rapide que les brise-gardes des sentinelles et des fléaux. Tu vois, je refuse de dire bon combat parce qu'il m'a jamais salué. Donc je dirais pas bon combat, c'est tout, c'est comme ça. Ah bah la berserkeuse, elle a voulu jouer sur le pont, elle a goûté au pont. Ah ouais. Est-ce que si on relance... Non, ils sont cassés. Non, non, ils ont pas essayé. Attends. Avant de relancer, du coup, au niveau des territoires... Ah mais on gagne presque tout. Hein. Enfin, en tout cas, on maintient nos territoires. Mais écoute, je continue de renforcer le château. Oui, perso. Voilà, je fais pareil. Donc c'est bon, tu peux mettre validé. Voilà. Continuons sur la Rix. Où je voulais mettre mes troupes, en fait, on avait un très beau moins 1 million pour nous. Pas mal. Oh, attends, je reviens. Soit. Alors, China, je l'ai déjà et il est pas fou. Hop. D'ailleurs, j'ai gagné des trucs. Ouais, j'ai encore une Edgar. Qui a à peine plus de dégâts de blocage, c'est pas intéressant. Hop. Ah, ça a planté parce que là. Ouais, bah oui, évidemment. Ah, quand on trouve une partie, il aime pas. Ah, j'ai cru que le bug avait. Ah, il y a ton micro qui a saturé. Attends. Et j'ai cru pendant un moment que le bug avait refait surface. Lequel? Ah, le fait que tu n'es pas lancé dans la partie. Bah écoute, là pour moi, t'es pas trop dans mon groupe. Oui d'ailleurs, là je ne suis plus en... Ouais, il est très probable que ça ait planté en fait. Quand le jeu ne veut pas que tu joues. Ouais, c'est un peu terrible. Ah écoute, éventuellement j'arriverai à t'exclure du groupe. Mais c'est tout. Ouais, non, là je crois que... Parce qu'il me demande... Il me dit 3 joueurs manquants. Et pourtant t'es censé être avec moi. Oui. Pour ceux qui se demandent pourquoi on dit encore le bug... Parce que ça arrive. Les multijoueurs on les enchaîne et... Il n'y a même pas 10 minutes de ça, on a eu le souci. Ouais, c'est toi tout à l'heure. Oh! Ah bah, du coup, tu vois, tu t'es cassé et du coup, ça va lancer le mien. Ouais, non, mais je devais être bloqué entre le... Comment dire? Je devais être bloqué entre le moment où je rentre dans la partie et puis le moment où je cherche. Mm. Bah écoute, après, là, ce sera toi qui seras en chef de groupe et on verra ce que ça donne. Mm. Alors... Ouais, du coup, contre... Bah, lance un duel de ton côté. Je te rejoins juste après. Oui, ça commence à être... Non, mais peut-être que si toi tu héberges le groupe, ça se passera mieux. C'est très particulier. Mais bon, après, jouer tout seul. Quand on joue que chacun de notre côté, y a aucun souci parce que. Première manche. C'est pas embêtant. Mais franchement, oui. Moi, ce que je préfère dans tout le jeu pour l'instant, ça reste les duels. Très clairement. Voilà, encore un bourrin. Tu fais pas coucou. Et bah, tant pis pour toi. T'es un gros et tu sais pas gérer ton endurance, c'est dommage, mais c'est comme ça. Hop, voilà. Alors,
Allons voir comment se débrouille notre allié temporaire. Donc, elle a plus de vie, c'est bien. Et toi? Oh, bien. Bien, bien, bien. Parfait. Oh, ça, c'est la fin, ça, je pense. Bravo! Bravo, bravo. Il fait ça. Ce début d'animation de fou. Alors, est-ce que la chamane est un peu plus... Bah non. Bah non, évidemment. Voyons. C'est une chamane. Comme elle a un méga coup. Bon là, elle m'a un peu démonté quand même, j'avoue. Ah ouais, non, mais complètement. Son premier combo a fait mal. Bon, ça m'étonnerait même pas qu'elle saute sur mon pote aussi. Elle te veut. Non, c'est bon. Elle est très... Elle est... Par contre, elle va peut-être l'empêcher de l'exécuter. Ça, c'est un risque. Oh, elle a une animation avec de la neige, c'est bon. Ouais, là j'ai pas trop bien fait mon boulot, c'est pas cool. Bien, déjà, magnifique. Victoire. C'était beau. Mais je ne parle que de mon allié. Troisième manche. Ils sont pas foutus de faire coucou. C'est la moindre des politesses, bordel. Ah, ouais. Il a été confronté au même problème que moi. Il s'est pris un combo de violent dans la tête. Coucou. Oh non, ça a pas marché. Bon, il va falloir esquiver. Ah, ça, c'est dommage. Ah, mais non, je sais qu'il faut pas choper là-dessus. Il avait trop de vie, lui. Bon bah pour l'instant il y a 2-1 pour eux. Je vais me faire battre par la Valkyrie de l'IA à cause de l'environnement qui m'empêchait, qui me cassait tous mes combos. C'est dommage. C'est assez sympathique. Ah, je suis content. Enfin, enfin elle fait coucou. Ah, cette oppression que je lui mets. Bien. Mais oui, c'est vrai qu'elle est hyper lente son animation, bordel. Je mort en fait. Oh mais ce combo de la mort, c'est hallucinant. Donc là je suis mort. Ça m'étonnerait que le gladiateur arrive à tenir longtemps. En plus c'est dommage parce que... Oh bien. Donc là il a réussi à le tuer le Jarl. Mais bon, elle ça va être chaud quand même. Ouais. Ah mais non, pardon, on n'était pas en train de perdre, on était en train de gagner. Donc là il y a 2-2, pardon. Donc il reste encore la dernière manche. Bon donc là je vais être contre la chamane. Stop dying. Ah le mec. Le mec. Cinquième manche. Hyper safe et puis c'est tout. Oh bien! Mais comment ça se fait qu'il m'a eu? C'est chaud. Ah, j'ai du mal contre les Valkyries. Même contre les IA, c'est... Ces persos sont... Ce perso est particulier. Elle me laisse, c'est gentil.
Ok. Faut juste pas me refaire prendre quand on est deux. Comme tout à l'heure. Voilà, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Faut juste éviter, tranquillement. Oh bien. Mais non, je suis en retard, bordel. Ouais, je suis encore mort. Ce poison est ultra violent, c'est hallucinant. Mais là, c'était beau. Genre le mec qui m'a dit stop dying, quoi. J'y crois pas. C'est bon, je joue la spadassine. J'y peux rien. C'est pas fou, je l'ai déjà, donc ça dégage. Voilà. Et puis ça, de toute façon, je l'aime pas. Voilà. Voilà, de toute façon, je suis tout seul. Hop, hop, invite-moi du coup. Attends, je viens de finir un instant en duel. Très bien, très bien. Allons voir. Ah, il me reste encore un truc du coup. Voilà, level 18. Ah, c'est... un symbole. Le sanglier enragé. C'est particulier. Alors... Très bien. Lance ce que tu veux. À toi de choisir. Faut vraiment que je fasse du duel. En classé. Ce sera tellement classe. Alors une petite rixte. Oui, continuons. Continuons là-dessus. Après, pourquoi pas un petit tribut, ça peut être assez. Oui. Nous pouvons. Et c'est assez impressionnant comme là on voit la grosse différence entre le joueur et l'IA sur le tribut. Parce que sur la Dominion encore ça va. À part des fois où il retourne sur une zone alors qu'il n'y a pas besoin, l'IA se débrouille très bien en Dominion. Mais sur le tribut, elles font un peu tête baissée tout le temps. Je trouve que ça dépend beaucoup des adversaires en fait. Quand c'est des gars, des personnes prestige 1, ça va. Par contre, dès qu'il y a un ou deux, dès que ça s'approche du prestige 2 ou 3, là, les IA, on voit qu'elles sont complètement. Elles deviennent complètement inutiles à ce moment-là. Oui. Oui, non, mais c'est sûr que contre des nouveaux, ça se passe quand même globalement bien. Mais après, oui, elles sont toujours utiles en Dominion, ça va. Oui, par contre, en duel, selon ils ont le même bouclier que toi. pas le même cerclage. C'est vrai. Mais bon, hein, on va purifier ces hérétiques pour faire des pâles copies des Templiers. Bah arrête, c'est des chevaliers aussi. Non, ce sont de pâles copies. Ouais, là, on est tous du rang des chevaliers. Nous, on Deus Vult, et eux, ils Vult Deus. voilà. Ils confondent eux. Bon. Alors, hein, réputation 14. Ah, Centurion Prestige 3, ça va être compliqué. On est sur quoi? Ah, une map à mur. Ah bon? Enfin, oui. Avec les... Ouais, effectivement, alors, sur celle-là, demandent... normalement, on tombe pas dans l'eau. Enfin, pourquoi... à part sur le ponton. Si vous vous demandez quel est le problème des maps à mur, le concept du centurion, c'est si vous êtes contre un mur, vous êtes foutu. Première manche. Il pousse très fort, ouais, bah, il fait très mal, il a un combo qui déstabilise beaucoup, étourdit beaucoup, bon. C'est, il bourre, c'est un bourreur de brise-garde, étourdissement et... Il a une belle animation en plus, parfait. Alors, faut que je me remette dans le bain de l'émissaire. Donc c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée d'essayer ça contre un centurion. Oula, il s'est pris mon combo. Bon bah je l'ai tué. Voilà.
L'émissaire ne sait pas. Non mais lui il est tout nouveau, c'est normal. Non mais il est tout le temps à court de d'endu. Il sait pas gérer son endurance. Il est tombé 3 fois à court d'endurance pour le combat. C'est assez c'est assez impressionnant. Bah très bien. Alors, ce centurion, est-ce que c'est un vrai bourrin? Bon, il fait pas coucou déjà. Je réessaye. Ah, il veut pas, hein. Tant pis. Pourquoi? Ah, ok, il s'est cassé. L'autre aussi, peut-être, non? Non, il a l'air de rester au bout. Ah. Bah, du coup, je peux lancer ma pièce. Ah punaise. Il est tendu ce centu. Ah oui, il a récupéré toute sa vie avec son. Bah oui, non mais c'est. Ah oui, c'est son. Mieux. Son stuff est sacrément optimisé pour l'exécution, j'ai l'impression. Oula. Ah non, quoique non, Rix, il n'y a pas de. Les stuffs ne sont pas prêts. Non. Ah oui, il fait que ça. Hein. Je sais. C'est normal. Le pire, tu vois, c'est qu'il perd pas d'endurance. C'est bon. C'est ça qui est le problème avec le centurion, c'est qu'il fait des goûts très puissants sans perdre pour autant. Bah, je sais pas si t'as vu, mais il perd pas. Hein. Bah si, mais c'est juste qu'il perd moins que moi en fait, donc c'est ça qui est gênant. Ah bah disons que pour la puissance de ses coups, il perd rien comparé à la majorité des champions. Par contre, ce qui est très bizarre... Ah, quand même. Parce que tout à l'heure, je l'ai tué comme ça, mais c'était un peu sale. Oh, quel dommage, j'aurais pu déclencher la vengeance. Ah, c'est triste. J'aurais pu le tuer là-dessus. Bon, donc du coup, tu vas te retrouver face à une IA. C'est une IA de quoi? Ersir, je crois. Non, Si, Ersir. Ersir féminin. Non, émissaire. Ah bon? D'accord. Ok. Yo. Oh, c'est relou. Ah mais non! Faut que j'arrête de reculer en même temps, c'est con. Ah oui, mais là par contre c'est débile. Alors que pourtant, je pouvais carrément le prendre. Oui bon, évidemment, il est plus rapide que moi. Ouh, t'aurais dû éviter ça. À ta place, j'aurais évité ça. Mais non, j'ai des chopes, c'est pas cool. Tu vas peut-être devoir le finir, effectivement. Oula, il m'a pas tué là-dessus. Il est gentil. Ah non, c'est bon. Ah. Oula. Allez. Mais oui, mais y'a que ça de vrai. Ah, c'est sale. Il a sauté, tu as fait... Ah bah, manche. La gestion de... J'essaie de faire coucou à l'IA... Non, il veut pas. Sale monstre. Oula. Tout se passe bien, tout se passe bien. T'as d'une violence, sens-tu? Oui. Non mais le problème du centu en fait c'est que il tape plus vite que tu changes de garde. Ça c'est le problème que j'ai avec ce champion. Il me laisse. C'est que même en switchant il tape plus vite que ton changement de garde. Où est-il? Il est au-dessus. Il descend? Ou il veut que je monte? Non il descend. C'est bon. Ça c'est le problème de ce champion, c'est que tu... Bon il a toute sa vie aussi. Ça va être intéressant. Ah mais oui non mais... C'est bon, je les troll avec le poney. Oh la vache. Ouh, oh mon Allez, grand. Ah mais je suis con, il faut pas que je recule là-dessus. Oh c'est génial. Il m'a enlevé de la vengeance.
Oh merde, j'étais sûr d'avoir rechargé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Yes. Qu'est-ce que tu fais? Tu frappes ton micro. Ah non, c'est le clavier. Non, non, c'est la manette qui a tapé dans le clavier. Mais pourtant, t'étais mort, t'avais plus rien à faire. Non, mais j'ai posé la manette sur le clavier, en fait, c'est ça. Ah, et elle tremblait, soit, je conçois. Hop. Oh, de toute façon, il est parti. Bon, on va interrompre ici pour ce 8e épisode du Let's Play sur For Honor. Donc, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo sur Adroft. Et pour un centurion qui me démontrera encore une fois. Non, on va espérer que non. Ah, ce sera toujours mon Némésis. Salut à tous.